Dans notre place, il pleuvait sur les grilles. Le plafond tombait en morceaux. L'écho était suspendu. Il fallait donc réparer. Il fallait donc trouver des tubes. Enseignants, parents, élèves, nous sommes tous mobilisés et nous n'avons rien trouvé. On nous a dit que rénover serait une dépense à perte. On nous a dit, on s'en fiche, l'école ne ramène aucun bénéfice direct. Alors je suis arrivé et j'ai dit que pour convaincre les investisseurs, en fait, il fallait inscrire notre école dans une politique de revalorisation de notre quartier. Alors j'ai créé ma start-up. Mais c'est vrai, pas mytho. Et j'ai dit, on va faire une pub, ça va déchirer. On va vendre notre quartier, on va faire du tourisme de pauvreté, comme il y en a partout en fait. Soweto, Rio, Marseille. Mais aujourd'hui, nous allons vous parler d'un quartier injustement méconnu, Belle-de-Mai. Autrefois, lieu de villégiature avec ses balles populaires, ses guinguettes et ses vergers. Belle-de-Mai fut au XIXe siècle, grâce à sa proximité avec le gare, l'endroit idéal pour l'implantation des manufactures. C'est au quartier de la Belle-de-Mai que les deux quarts s'installent alors que le port de la Gelée vient d'être construit, ainsi qu'une usine d'allumettes, une raffinerie de sucre et une gare de marchandises. Depuis toujours tourné vers l'extérieur, déjà reconnue porte de l'Afrique du Nord et porte de l'Orient, au XIXe siècle, grâce à sa situation géographique avantageuse, Marseille devient le port colonial de la France. Elle aspire à devenir la métropole de ce nouvel empire. Le port de Marseille occupe un rang envié, loin devant le Havre, Dunkerque et Bordeaux. Au-delà de l'activité commerciale, la ville devient une escale internationale de premier plan pour les migrants. J'ai vraiment insisté pour que Agba vient visiter Marseille. And particularly this side of Marseille, because it's really poor. We are lucky to be not rich, but to be comfortable, you know. And yes, to see all these people, this mix of people, you know, and everybody are so happy. They don't have money, but they are so happy. It's the best day of my life. And the people here are so creative, you know. They don't have money, and they have a lot of imagination. It's so beautiful here, you know. I hope that Les Marseillais realize how lucky they are to live in this so open-minded city. You know, it's important. Ok, on va faire un son seul. Sana, s'il te plaît, tu prends le début de ton texte classique. Le quartier de la Belle-de-Mai, le plus pauvre de France, avec son insécurité à tous les coins de rue. Excusez-moi, mais cette phrase, je peux pas la dire avec le sourire. Bon, bon.